Salut à tous, Salman. J'espère que vous allez bien, moi ça tranquille. Aujourd'hui, je vous retrouve comme d'habitude sur PS2009. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous y retrouver dans le mode Ligue des Masters, mais dans le mode My Club pour une nouvelle player review. Après le Arturo Vidal 90 et après le Sadio Mané 89, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review. Mais cette fois-ci, on ne va pas se retrouver pour la review d'un joueur qui se trouverait dans le pack Player of the Week. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le pack Santos Club Sélection. Parce que comme il est dans le titre, aujourd'hui, on va s'attarder sur le cas de Yuri Alberto, l'avançant brésilien de 17 ans qui se trouve dans le pack Santos Club Sélection du jeudi 16 au jeudi 23 mai 2019 dans My Club. Du coup, sur Yuri Alberto SF, parce que oui, c'est la deuxième version boost de Yuri Alberto cette année. Vous allez voir, ses fiches statistiques et la seule équipe dans laquelle je l'ai testé. Pour être franc avec vous, cette review, c'est une review que j'avais pas prévu de vous sortir. Mais au vu de ce que le joueur a été amené à faire lors des matchs que j'ai fait avec lui, je me suis dit que c'est une review que je devais absolument vous sortir. Parce que Yuri Alberto, c'est un joueur qui est noté à 84 à la base. Donc il y a de fortes chances pour que pas mal de monde soit tombé dessus. Et si vous faites partie de ces gens-là, le seul conseil que je peux d'ores et déjà vous donner, ce serait de jouer avec ce joueur. Parce que là, on a tout simplement affaire à une pépite, à un joueur qui est au-dessus du lot, qui est surdominant et qui peut rendre vraiment de très très bons services à n'importe quel joueur qui sera amené à jouer avec lui. Ça, j'en suis vraiment sûr et certain parce que c'est très simple. Ce Yuri Alberto, c'est un joueur qui présente aucun point négatif. Il n'y a que des points positifs et on va commencer par celui qui m'a le plus impressionné, à savoir le talent offensif. Entendez par là le placement et les appels de balles du joueur parce que ce Yuri Alberto, par rapport par exemple au Sadio Mané TF qu'on a pu faire en revue sur la chaîne hier, je vous le dis, c'est le jour et la nuit. Là, sur Yuri Alberto, il se déplace largement mieux que le Mané. Il est tout le temps disponible. Au cours de tous les matchs que j'ai effectués avec lui, il a jamais été signalé hors jeu, par exemple. Donc, vraiment, il est bien supérieur. Alors que pourtant, il a seulement un 83 en talent offensif. Comme par exemple, Mané, il avait un 88. Et en ce sens, c'est pour ça vraiment que, comme je vous le disais il y a 2 secondes, sur Yuri Alberto, c'est vraiment une pépite. Parce que malgré ses statistiques, qui en apparence peuvent sembler moyennes, voire même faibles, in-game, je vous le dis, c'est vraiment pas la même chanson. Parce que. C'est complet partout, c'est complet partout, c'est performant partout, et c'est vraiment très agréable parce que offensivement, pour finir, ce que je vous disais, en plus du 83 en talent offensif, il a un 90 en finition, un 83 en puissance de tir et un 3 en PPF. Dans la surface, du coup, vous allez voir au niveau des clips, ça rend pas grand chose. De temps en temps, les gardiens font l'arrêt, mais globalement, dites-vous qu'une fois que vous êtes dans la surface, une fois que vous êtes dans les 18 mètres, vous avez 9 chances sur 10 de marquer. Donc vraiment. C'est vraiment très très agréable, et ce que ce soit du pied droit ou du pied gauche. Donc vraiment, c'est très très fort offensivement. Techniquement maintenant, là aussi c'est très très fort parce qu'il a un 79 en contrôle, un 79 en dribble. Et là aussi, c'est vraiment performant, très performant. Et notamment grâce à une chose qui est sa qualité de passe. Parce qu'il a beau avoir seulement 70 en passe et un 67 en passe lobée, je vous le dis, dos au but, c'est vraiment super fort. Pour tout vous dire, après les 2 premiers matchs que j'ai effectués avec lui, j'en étais déjà à 5 passes décisives. Et vous allez le voir au niveau des clips, c'est des vraies passes. C'est pas genre des décalages devant le gardien ou quoi. C'est vraiment des vraies passes, des vraies ouvertures qui sont effectuées par le joueur. Donc vraiment, dans les petits périmètres, vous pouvez le servir. Il n'y aura vraiment aucun problème pour bonifier. La plupart des ballons que vous serez amené à lui donner. Physiquement, maintenant, il a un 84 en vitesse, un 88 en explosivité, un 83 en contact physique, un 74 en équilibre inébranlable et un 76 en endurance. Alors, il a été pas mal nerf par rapport à son premier featuride, parce que là, avec son second featuride, il mange un moins 7 en vitesse, un moins 2 en explosivité, un moins 2 en physique, un moins 2 en endurance. Et je crois que j'en ai encore oublié 2-3, mais. En gros, dites-vous qu'il a été quand même bien baissé en physique, mais malgré ça, je trouve qu'il reste quand même très très bon. Ça pourrait être mieux, clairement, mais en l'état, je trouve que ça reste quand même plus qu'honorable. Et les coups de pied arrêtés pour finir. Il a un 65 global en CPA, et vous allez le voir, c'est vraiment pas très très fort parce que il a un 65 global en CPA, comme je viens de vous le dire, et un 69 en effet. Et là, pour le coup, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'histoire. Là, c'est vraiment très mauvais, donc je vous recommande absolument pas de le prendre pour tirer le moins de coups francs que vous serez amené à avoir. Parce que, à part si vraiment vous êtes un très très gros spécialiste, vous pouvez être sûr et certain que ça partira dans les tribunes à chaque fois. Donc, vraiment, priorisez quelqu'un d'autre. Du coup, vous avez pu voir son bilan qui était quand même très très bon. Et là, du coup, on résume vite fait. Avec les points positifs et les points négatifs. En points positifs, vous pouvez voir qu'il n'y en a que 4. Vraiment, j'en ai oublié au montage, mais là, vraiment, c'est vraiment ceux-là, à mon sens, qui sont les plus importants. C'est vraiment ceux qu'il faut retenir en priorité. Donc, vraiment, sa qualité de passe, qui est vraiment très très bonne, sa finition, qui est elle aussi très très bonne, ses appels de balles et son PPF, donc son mauvais pied, donc sa pression pied faible. Et points négatifs, j'ai mis aucun. J'aurais pu mettre les coups de pied arrêtés, c'est vrai. Là, je pense que c'est plutôt un petit oubli de ma part au montage, mais en soi, malgré ça, sur Alberto, ça reste un joueur qui est très très bon. Donc, c'est pour ça que je lui ai mis un 18 sur 20. Parce que, comme je vous l'ai dit, au tout début, c'est vraiment un joueur que j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment trouvé qu'il était au-dessus du lot, qu'il était surdominant. Et donc, c'est vraiment pour ça que je vous le recommander très fortement. Parce que, vraiment, je vous le dis. Il est très fort ce joueur et je suis sûr que vous aussi de votre côté vous serez amené à vraiment le kiffer. En tout cas, j'espère qu'à travers l'équipe que je vous ai présentée, je vous aurai donné envie de le tester quelques matchs, que ce soit en titulaire ou en joker de luxe. Et sur ce les gars, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire. Si vous avez des joueurs en particulier que vous voulez qu'on fasse en review,
Faites-moi en part également dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus. Et à une prochaine fois, soit pour une nouvelle review, soit pour la suite de la Ligue des Masters.